Jusqu'au bout de la nuit, des négociations longues et difficiles qui ont largement débordé le calendrier prévu de la COP27 et enfin un texte adopté sur les dégâts climatiques qui impactent les pays les plus pauvres. Un texte présenté comme historique qui acte le principe de la création d'un fonds financier spécifique. Le président de la COP27, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a expliqué que les détails opérationnels doivent être définis pour adoption à la prochaine COP, fin 2023, aux Émirats arabes unis. Cela promet de nouveaux affrontements, notamment sur la question des contributeurs, les pays développés insistant pour que la Chine en fasse partie. Le texte sur les réductions d'émissions a été également très disputé, de nombreux pays dénonçant ce qu'ils considèrent comme un recul sur les ambitions définies lors de précédentes conférences.